Agamemnon est mort, Hector, Achille aussi. Iphigénie est morte. Il y avait des soldats qui riaient et qui se cachaient derrière ceux qui pleuraient. Clytémnestre est seule, Hermione, Andromaque aussi. Hélène ne veut plus mourir. On dit qu'Ulysse revient en Ithaque aussi vite qu'il peut. Il y a la mer, tu vas et tu viens. Il y a le vent qui fait le moins de bruit possible contre les palais. Il dit qu'un roi est mort sous les coups d'une épouse infidèle. Il dit qu'elle bat ses servantes et qu'elle casse ses miroirs. Il dit qu'elle a peur de vivre, qu'elle hurle, qu'elle veut vivre encore. Viens, viens vite, approche-toi, approche-toi. Il faut que je vous parle. Non, c'est moi. Moi, t'as la ferme dans ce pays. Mère. Non, non, écoute si tu veux. Tu peux entendre un chant d'amour, un chant de haine, je ne sais plus. Tu entends, n'est-ce pas? Tu sais, je voudrais pleurer et crier aussi. Moi aussi. Je pensais qu'il fallait vous parler, qu'il fallait s'arrêter un peu et vous dire. Dire que tu vas partir, que tu t'en vas, que tu es parti. Est-ce que tu sais que j'ai peur? Est-ce que tu sais que toi aussi, que je le sais? Mère, c'est une chose importante. Et ce que nous pensons tous deux, c'est que je mourrai peut-être avant qu'il ne revienne, sans l'avoir revu, que je mourrai d'attendre. C'est à cela que vous pensez le plus souvent? Ne te soucie pas de ce à quoi je pense. Pourquoi est-ce toujours? Tu pars cette nuit. C'est une question d'heure. Est-ce que tu promets que tu reviendras le plus vite possible? Bien sûr, je... Ne le promets pas. Ne promets pas de revenir vite, très vite. Ne dis pas que je n'aurai pas le temps de te voir partir. Ne dis rien. Ne me demande surtout pas de t'attendre, de regarder souvent sur la mer et de l'autre côté des terrasses. Est-ce que je t'ai dit que j'avais peur? Mère, je... Ne crois pas ce que je t'ai dit. Il ne faut pas te soucier de... On dit... Je crois que les vieilles femmes... Je t'aime. Ne touchez pas à cet enfant. Il est le fils d'un roi lointain qui partit à la guerre pour retrouver l'épouse infidèle d'un autre roi, d'un autre héros. Ne touchez pas à cet enfant. Il est protégé d'Athéna, la déesse aux yeux brillants. Il est le fils de roi. Il s'appelle Télémaque. Ne le touchez pas, parce qu'il est encore un enfant, parce qu'il est courageux et pieux, parce que je suis une vieille femme qui meurt un peu plus chaque jour. Parce que je suis une vieille femme qui a peur. Parce que quand vous me regardez, vous pouvez vous moquer. Parce que je ris et je pleure. Vous n'avez aucun droit sur cet enfant. Ce soir, quand il sera libre, il prendra un navire rapide et il partira. Est-ce que je suis heureux ici? Oui, plus que jamais, plus que tout. Il ne faut pas mentir trop à la fois. Tu peux me laisser supposer, imaginer. Tu as peur que je te dise je t'aime, ou quelque chose comme ça. Que je ne le dise pas, ou que j'attende que ce soit toi. Quand tu regardes la mer, parce que cette île est loin de tout, je ne pense pas que tu regrettes ton voyage, que tu regrettes ton pays, ta femme et ton fils aussi. Je ne pense à rien. Je regarde ton dos, tes cheveux. J'aime tes cheveux. Cela non plus, nous ne le disons pas souvent. Est-ce que tu aimes mon corps? Est-ce que tu t'en souviendras? Télémaque est devenu un homme. Il parle haut et fort. Il dit qu'il veut ce palais qui lui revient. Parce que les prétendants de sa mère, parce que les hommes jeunes également, veulent lui voler ce qui lui appartient. Peut-être aussi parce qu'il doit prouver à son peuple trop vieux qu'il en est capable. Il parle à la recherche de ce père qu'il ne connaît pas. On dit que sa mère reste seule et veut l'attendre. De tous les rivages qui se baignent dans la mer, de toutes les îles, Télémaque revient sans nouvelles. Quand il parlait d'Ulysse,
les enfants se mettraient à raconter des histoires merveilleuses qu'on leur avait apprises. Ne vous sauvez pas! Est-ce que vous êtes parfaitement stupide? Ce n'est pas un monstre, il ne me semble pas, tout du moins. Oh, vous pouvez fuir, vous ne valez pas qu'on s'occupe de vous. Il n'est même pas d'une beauté idéale. Agréable, peut-être. Bonjour. Bonjour. On m'appelle Nausicaa, fille d'Alkinoos, roi de Phéasie. Fille de roi, princesse. Je suis en réalité, mais c'est un secret misérable mortel, déesse de la beauté et de l'amour. Vous êtes très jolie. Je m'appelle Ulysse. C'est un drôle de nom. Je reviens de la guerre de Troie, où nous avons été vainqueurs. Était-elle belle, cette guerre? Une guerre n'est jamais belle. C'est vrai, il n'y a qu'une victoire qui le soit, n'est-ce pas? La victoire était-elle belle, cruelle? As-tu beaucoup tué et massacré? Est-ce que les cris de la défaite étaient assez horribles? Le héros était rejeté de mur de mer en falaise de pierre. Il pensa à son fils, il pensa à la femme qu'il aimait et qu'il attendait, et qu'il oubliait peut-être aussi. Il regardait trop souvent le lointain et sur l'eau qui oublie tout, il ne voyait rien de son pays. Il ne connaissait plus que l'espérance et ignorait souvent la volonté. Sur un rivage, soudain, un vieux roi plein de sagesse l'attendit. Sur ce rivage, Éole, aimé des lieux immortels, l'accueillit dans un palais calme et solitaire. Il lui donna les vents contraires maîtrisés, il lui donna la force, il lui donna enfin un peu de repos. Enchaîné, englouti dans une outre, au fond du navire, le plus rapide, les vents contraires grondaient comme les âmes des damnés, et le héros pouvait continuer sa route. Un compagnon d'Ulysse dit « Cet homme-là cache un trésor dans sa loutre, un trésor qu'il ne veut partager. En voulant une part de ce butin inutile, il laissa s'échapper les souffles mauvais et le désespoir. » On entend l'inquiétude des hommes de la guerre perdus sur la mer. On entend leur peur, on entend leur folie. Ce doit être un long voyage, le retour vers sa patrie. Très long. Jamais on ne voit la fin. Il doit y avoir d'autres plages où tu parles de la mer et du temps qui passe, je crois. Ainsi, l'on voyage vers la femme que l'on aime. Ce n'est pas forcément une solution pour un tel vainqueur. Pourquoi veux-tu toujours être un monstre? Pourquoi pas? Parce que je suis seule, pensais-tu. C'est peut-être vrai. Parce que je n'aurais pas la force, moi, de t'attendre 10 ans dans un palais sinistre. Parce que, si je n'étais pas un monstre, je mourrais peut-être. Mais même si ta vie devait être difficile... Je vais te raconter une histoire de servantes un peu folles qui ne savent plus quoi inventer pour plaire à leur berger. Il y avait un jeune homme qui ressemblait un peu trop à une fille, mais qui était aimable et bien tourné. On l'appelait Picus. Il était fils de Saturne, dieu des semailles, des grains, de la vigne et je ne sais de quoi encore. Ce jeune homme, un peu fragile, avec un regard superbe et un visage parfait, et on le disait capable de la divination, notamment de prévoir la pluie. Et ce jeune homme, pourtant, n'aimait pas la magicienne Circé, qui lui faisait trop de sourires et de menaces à la fois. Et la sorcière, qu'on dit folle, le transforma en pivert. Est-ce que tu l'aimais beaucoup? Aimer, c'est un mot que les monstres ne connaissent guère. Et toi qui demandes si souvent, pourquoi? Que réponds-tu si je te dis, avait-il le droit d'aimer une autre femme plus belle et plus jeune? Je n'ai que faire de tes sourires de compassion. Tu es belle parce que tu as peur qu'on te regarde tel que tu es. Si nous avions connu d'autres vies, si les dieux... Une légende plus vieille encore, dira Culis, le vainqueur d'une guerre illustre, arrêta sa course chez une magicienne démente. On dira aussi qu'il vécut heureux, qu'elle lui donna 2 enfants... et qu'ils se quittèrent en se jurant de ne plus s'oublier. On dira que les maléfices de la sorcière ne sont plus les mêmes, qu'elle oublie parfois de faire le mal. On dira bien ce que l'on voudra. Tu n'as pas de soucis à te faire. Tu peux reprendre ton voyage.
Et qu'on ne dit pas que je suis une sorcière aux mille pouvoirs, il suffira de presque rien. Un effort de mon sourire pour transformer mon visage, pour faire de ma tristesse une joie et m'éloigner de ton absence. Il n'est pas bon, nous le savons tous deux, que les amants gardent uniquement les larmes comme souvenir. À toi aussi, je jetterai un sort. Tu te retourneras pour me lancer un dernier sourire et un geste de la main. Il ne faut pas que tu restes plus longtemps dans ce pays. Tu me regardes trop souvent comme un homme, fatigué regarde une femme qu'il connaît depuis des années. Nous avons déjà parfois des sourires d'habitude qui doivent nous inquiéter. Tu as l'air solitaire et ton regard est triste. Je reviens d'un voyage inutile. Je cherchais un père que je n'ai pas trouvé. Le berger nous dit qui tu es, Télémaque, le fils d'un roi d'Ithaque. Tu es solide et ton visage est celui d'un prince honnête. Toi, qui es-tu? Tu as un bon sourire, mais je me méfie depuis longtemps des sourires. Tu es bien tourné comme un prince de grand beauté. Il ne suffit pas de lamentations pour défendre un mal. Tu es un vieillard et je dois te jeter à la mer. Quel acte de courage! Crois-tu que la haine ne m'a pas pris? Crois-tu que je n'arrive pas de vivre tranquille? On dit que ta mère est presque folle, qu'elle pleure sans cesse et se lamente. Elle a le visage plein de larmes. Tu es un enfant. Mon enfant, tu es si jeune et tu es libre. Nous t'avons trop demandé. Nous avons épuisé tes rêves de jeunesse. Il faudrait qu'il me parle lentement comme un enfant sera mon père. Il faudrait qu'il me dise que j'ai mérité son nom et sa maison. Il faudrait surtout qu'il me jure que ce que j'ai fait est bien fait. Je ne suis pas responsable de la folie des traîtres. Il faudrait qu'il ne reproche jamais l'abandon et la désolation de son royaume fertile. Il faudrait que jamais il ne nomme la faiblesse et l'inconscience. Il ne faut pas me regarder. Il faut laisser mon corps s'anéantir sous le soleil. Il faut me laisser m'oublier. Il faut que je perde tous les souvenirs et toutes les joies inutiles. Il ne faut plus me regarder. J'erre comme une pensée triste dans une cage blanche où plus personne ne vient. Il faut me laisser comme une vieille femme, comme un corps mort et trop lourd. Les enfants qui viendront parleront de Pénélope qui passa sa vie à tisser sous linceul. Ils diront que cette femme jeune et jolie abandonna son visage aux années 30. Ils diront qu'elle est l'exemple et la vertu. Ils diront que toujours on gardera son image de femme fidèle. Que Pénélope, la femme du roi et du héros, retrouva Ulysse après 20 années d'absence. La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire, à perte de vue. Je fais 3 pas, la route n'est plus. Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine.